Sansamba makoki, sansamba makoki, yende nosusuteo, suki akoti na vina yo, na tongo o, makambo nyoso eku, azongi saka na bomo, tala ezongi na bomo, sansamba makoki, sansamba makoki, yende nosusuteo, suki akoti na vina yo, nawe makambo nyoso ekufaki tala ezongi na bomo Yahweh Yahweh tala ezongi na bomo Yahweh Yahweh tala ezongi na bomo asansamba makoki asansamba makoki soki akoti na vina yo makambo nyoso ekufaki tala ezongi na bomo Est-ce que toko beta mololo Beta mololo, mololo ne so komate. Mololo na yo so pusanate. Beta mololo, mololo, mololo. Amen. 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 Joyeux Noël à tous. Amen. Tolobi, joyeux Noël à tous. Merci pareil, ma papa. Tolobi, joyeux Noël à tous. Merci pareil, ma papa. Beta suko et mololo, joyeux Noël. Que toute la gloire lui soit rendue. Le Père céleste. Tata Oya Vandi Likolo. C'est lui qui a voulu que nous soyons ce matin ici dans ce temple. Alléluia. Amen. Nous sommes un dimanche de célébration. C'est un dimanche par excellence, notre culte par excellence. Par même cette occasion, nous profitons à commémorer l'anniversaire de naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous sommes appelés chrétiens, parce qu'il y a eu une personne qui est née. Si nous sommes aujourd'hui chrétiens, vraiment chrétiens, engagés, parce qu'il y a eu une personne qui est née au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour la naissance de Jésus? S'il y a moyen, vous pouvez changer le micro parce que ce micro ne fonctionne pas bien. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut acclamer pour la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez le roi des rois. Quelles que soient les circonstances, cela ne peut même pas nous empêcher de célébrer cette fête. Parce que la Bible dit, Jésus a été mort entre un matin, entre un soir. Entre un matin et soir. Et pour nous les chrétiens, nous allons dire, Jésus est né entre une journée, entre les jours et les soirs. C'est-à-dire, la naissance de Jésus est venue donner la lumière là où il y avait la nuit. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est-à-dire la naissance de Jésus est venue donner la lumière là où il y avait les ténèbres. La raison pour laquelle je déclare ce matin, là où il y avait les ténèbres dans ta vie, que les ténèbres disparaissent, que la lumière remplace. Je dis que les ténèbres disparaissent, que la lumière remplace. Parce que la naissance de Jésus, ça signifie remplacement de la lumière. Là où il y avait les ténèbres, maintenant la lumière doit régner. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lumière de ce matin?
Et son père clamé pour la lumière. Et son père clamé pour la lumière. Acclamons pour la lumière. Acclamons pour la lumière. Alléluia. Amen. En réalité, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Le 25 décembre, c'est une date conventionnelle. Le 25 décembre, kaka mokolo oto tia kaka. Que les historiens ont essayé d'adopter cette date-là. Pour nabato ba komaka ba sepela ki kotia mokolo. Par rapport au calendrier juif. Kotali sama na calendrier ba juif. Pour que nous les chrétiens, bon abiso ba Christo, nous soyons en mesure de célébrer cette date, célébrer la date de naissance de notre Seigneur. Tosa na makoki tango nyoso ya ko sepela ka mbotama ya Yesu Christo na mokolo wana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Tu peux balancer ta présence. Balance bien ta présence. Je sens la fatigue à vous. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer une minute? On peut acclamer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Nous sommes là ce matin. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. On peut pousser le cri de joie. Poussons le cri de joie. Amen. Amen. Merci beaucoup. Matondo. Vous savez, le roi Hérode. Boyebi nkumu Hérode. Savait qu'il y aura une personne qui va naître pour libérer ce peuple que nous sommes. Vu Hérode connaissant qu'il y aura un fils qui va naître, le roi Hérode donna l'ordre pour tuer tous les enfants mariés. Oh, Jésus-Christ était un enfant prophétique. Avant que Jésus naisse, il y a eu les prophètes qui sont prophétisés pour la naissance de Jésus-Christ. Ce sont eux qu'on appelle des grands prophètes. C'est-à-dire des grands prophètes. Celui qui a profité la naissance, qui a profité prophétiser la naissance de Jésus-Christ. Il n'est pas grand en taille. Il est grand en volume de ce qu'il a écrit. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Là, je parle du prophète Esaïe. Prophète Esaïe a prophétisé qu'il y aura naissance d'une personne qui sera, qu'on va l'appeler Emmanuel. La personne s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Ce qui est important dans les noms, que le nom soit un nom prophétique. Il y a beaucoup de gens qui ont porté des noms qui n'est pas prophétique. Ça signifie significatif. Et aujourd'hui nous allons comprendre d'où est venu ce nom de Jésus-Christ que nous les chrétiens nous célébrons aujourd'hui. En réalité, ça doit être demain. Le 25 décembre. Mais nous chrétiens aussi, nous vit que le Seigneur est né entre la journée et la nuit. Tel que ici au Congo nous sommes 10h, je vois. Mais il y a d'autres pays tels qu'en Chine, ils sont déjà vers 17h. Aux États-Unis, des pays tels que le Canada. C'est-à-dire l'événement de Jésus-Christ a été toujours entre le matin et le soir, entre la journée et le soir. Même cette expression est toujours significative. Entre la journée et le soir, ça signifie Dieu, Jésus-Christ Nazareth est venu pour mettre la lumière là où
y avait les ténèbres. Jésus-Christ est venu chercher les brebis égarées. La raison pour laquelle Jésus dit et suit ses disciples, Jésus instruit ses disciples. Il dit ceci: je vous envoie, allez chercher les brebis égarées. Mais il ne faut pas entrer chez les païens. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. C'est-à-dire Jésus est venu pour chercher les brebis égarées. Mais quand il fait nuit, là la vie d'une personne ne semble pas marcher. Là Jésus vient. Jésus vient. C'est la nuit. Jésus est pour la nuit et pour la journée. Lorsque les choses semblent marcher dans nos vies, c'est ce qu'on appelle la journée. Jésus est là. C'est la raison pour laquelle la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire le Dieu que nous servons. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis le Dieu que nous servons, c'est ça, Dieu de l'élo. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que tu veux ou pas, Nzambe akoti kala Nzambe. Est-ce que tu rebêtes la Nzambe ya lelo lelo maboko makasi? Nzambe ya lelo. Tu rebêtes la Yesu maboko makasi. Gloire à Jésus. Bête la Yesu abotami lelo maboko makasi. Bête la Yesu maboko makasi bikele kele. Tosonga Noël. Noël. Tosonga Noël. Noël. Quand j'étais petit, j'étais gosse. Noël ou rien chez moi. Noël, t'es le côté pas. Moi, la nouvelle là, c'est-à-dire le 31 décembre, me disait rien. Ngai bonne année, oh le premier. T'as l'ingaïté le Noël. Nga Noël. Parce que là, on faisait le théâtre à l'église. On faisait tout à l'église. Il y avait des théâtres de naissance de Jésus. Nous, on était là, on dirigeait le théâtre. Dès le Kodim. Qui n'en est Kodim? Jusqu'on était, j'étais dans une chorale mère de l'église. Moi j'étais là. Je dirigeais. Depuis comment appris comment organiser le théâtre là, le théâtre de Noël. Et je faisais que diriger ce théâtre. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Je connais l'histoire de la naissance de Jésus. Parce que j'étais parmi les gens qui dirigeaient ce genre d'histoire. Moi je dis l'année prochaine, je sais que Dieu va nous prêter vie. On va tout faire pour organiser une séance de théâtre de la naissance de Jésus-Christ. On va tout faire. Il faut apprendre aux enfants comment Jésus est né. Cette année, on était vraiment busy. On était occupé. Une année électorale. Les gens sont fatigués. On ne pouvait rien faire. Mais par la grâce de Dieu, l'année prochaine, Dieu nous prête vie. On va tout faire pour organiser une journée théâtrale pour la naissance de Jésus-Christ. Acclamez le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Amen. Amen. On peut se tenir debout pour lire les livres prophétiques. Lisons ces livres prophétiques d'un grand prophète. Un prophète qui a été inspiré. Un prophète qui parle de la naissance de Jésus-Christ. Il y a d'autres prophéties qui ne s'accomplissent pas. Et on considère un prophète si la prophétie s'accomplit. Vu la prophétie de la naissance de Jésus-Christ s'est accomplie par la bouche de son serviteur, son prophète Isaïe.
Kotali sama eteli sakoli ambotama Yesu Kristo. E barakina kokoki sama. Nanzela mo sakole saya. Esaïe c'est un vrai prophète. Esaïe azali ya solo ya solo mo sakoli ewe sabe. Tobete la mokonza bakonzi mavoko makasi. On peut acclamer les rois. Tobete la mokonza bakonzi mavoko. Acclamons les rois de. Tobete la mokonza bakonzi mavoko makasi. Nous sommes dans le livre de Esaïe. Tozala mokanda Esaïe. Chapitre 7. On commence le 13e verset jusqu'au 14e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes? Que vous lassiez encore celle de mon Dieu. C'est pourquoi Talatina. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Un signe. Voici. Botala. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer les rois de roi? On peut acclamer les rois de roi. Esaïe dit ceci. Écoutez donc, maison de David. C'est Esaïe qui dit. C'est Esaïe qui prophétise. C'est Esaïe qui déclare. Esaïe dit alors. Écoutez donc, maison de David. Est-ce que c'est trop peu pour que vous lassez la patience des hommes? Que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Que vous lassiez. Laissez quoi? Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Parce que la maison de David n'était pas mesure de comprendre les signes. Le temps de Dieu, l'événement de Dieu. La prophétie était venue pour la maison de David. Je te dis ce matin, tu es parmi ceux qui sont dans la maison de David. Je dis tu es parmi ceux qui sont dans la maison de David. La prophétie d'Esaïe est pour toi. Cette prophétie est pour ta maison. Cette prophétie est pour votre famille. Esaïe dit ceci. Pourquoi vous voulez lassier le Seigneur? Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous ne comprenez pas les signes? Pour que vous compreniez les signes. La Bible dit ceci. Esaïe dit alors. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera le signe. Voici une jeune fille. Pour que vous croyiez. Pour considérer cette prophétie. Pour que cette prophétie soit considérée. Vous allez voir une jeune fille. Qu'est-ce qu'une fille, une jeune fille? En réalité, Jésus a été né par Marie, sa mère. Mais ici, Jésus, la Bible parle d'une jeune fille. Une vraie jeune fille, c'est une église que nous sommes. Je dis une jeune fille, c'est une église que nous sommes. L'église est venue pour donner la vie. L'église est venue pour donner la lumière. L'église est venue pour prophétiser la naissance de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? On peut acclamer le roi des rois. Ici la Bible dit une jeune fille. Nous sommes dans une église. C'est l'église qui a une jeune fille. Toi et moi, nous devons être conscients
Lorsque nous venons ici, nous venons dans une jeune fille. Une jeune fille, c'est une fille qui ne connaît pas le péché. C'est une fille qui ne connaît pas beaucoup de choses. C'est une fille considérée par la personnalité de Dieu lui-même. C'est ce que Esaïe parle, une jeune fille. Est-ce qu'il y a une jeune fille ici à Setra? Une seule seulement? Deux, trois, vingt-quatre. Les jeunes filles acclamaient le roi des rois. Cette prophétie est pour vous. Je dis cette prophétie est pour vous. Et la jeune fille d'aujourd'hui, c'est l'église. L'église doit être une jeune fille. Une jeune fille qui donne naissance à Jésus-Christ. Balance bien. Une église doit être une jeune fille qui donne naissance à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Moi je dis, moi je suis une jeune fille. Toi aussi tu es une jeune fille. Peut-être que c'est compliqué de comprendre. Papa devient une jeune fille. Papa, c'est quelle jeune fille? Papa changer sa papa façon. Papa changer le lingue na yo nini. Hein? Papa n'est pas une femme pour être une jeune fille. Papa sali nini pas comme lingue. Oui, moi je suis. Je dis je suis une jeune fille. Iyo na le bien na lingue moi. Parce que la Bible dit. Papa te Bible le bien. Esaïe prophétisait. Il disait ceci. Vous allez voir les signes. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Esaïe dit, vous allez voir un signe. C'est quoi les signes? Une jeune fille doit donner naissance. Moi là, je suis obligé. Moi, Dieu m'a appelé pour donner naissance à une personne. Qui me comprend ce matin? Dieu m'appelez-moi pour donner naissance à une personne. Quelqu'un qui donne naissance à une personne, du coup il accomplit cette prophétie. Parce que c'est la jeune fille qui a donné naissance à Jésus-Christ de Nazareth. Toi aussi sois une jeune fille. Sois une jeune fille qui doit donner naissance à Jésus. Sois une jeune fille qui doit donner naissance à une personne. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Acclamons le roi de roi. Acclamez le roi de roi. Poussez les cris de joie de la personne qui donne naissance. Poussez les cris de joie une personne qui donne naissance. Amen. 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 Voici une jeune fille deviendra enceinte. Écoutez, Yoka, les choses de Dieu sont compliquées. Une jeune fille qui sera enceinte. Une jeune fille sans homme. Sans se marier. Ici, on parle seulement d'une jeune fille. On ne connaît pas celui qui va donner naissance. Celui qui va donner. Quoi ça? Non, celui qui va donner naissance à cette femme-là. Ici, on parle d'une jeune fille. La Bible dit ceci. Une jeune fille deviendra enceinte. Qui sera l'auteur de ces saintes-là? On ne parle pas de la personne. Et la Bible continue. Elle enfantera un fils. Et lui donnera le nom de Emmanuel. Mon problème c'est Emmanuel. Emmanuel. Maman a dit Kambuna Biso Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer pour Emmanuel? Tobeta maboko makasi. Ça, c'est une prophétie. Ici, la prophétie n'est pas encore accomplie. C'est Esaïe qui prophétise. Il dit ceci. Écoutez, une jeune fille sera enceinte. Elle va donner naissance à un garçon.
garçon, sera appelé Emmanuel. Qu'est-ce que signifie Emmanuel? Emmanuel dans l'hébreu. Emmanuel na monoko ya parce que c'est l'hébreu qui tire l'origine d'Emmanuel. C'est l'hébreu, en hébreu ancienne, l'hébreu ancienne. Na hébreu o yakala na monoko ya bela o yakala. Tire bien l'origine de ce mot là, de ce nom Emmanuel. Ça pende ya simi source mama na dikambo ya kombo wana Emmanuel. En hébreu c'est Emmanuel. Na hébreu balobi Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel na monoko ya bela. Eli koloba nini? Emmanuel. Emmanuel. En hébreu. Allez, na monoko ya bela. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Vous êtes mon lolo, cri de joie. Beta mon lolo, beta mon lolo. Beta mon lolo, ya bonne année. 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 Yes, yes. Est-ce que tu as un bataille aux Anzambé à l'élo les loté? Moi, tu es un bon exaté. Aux Anzambé à l'élo les lots. A commis si bisso, les lots. Tobin et la épée, les lots. Toyembe la épée, les lots. Tosepe la paix, les lots. Azan Zambéa, Yalelo. Amen. Jésus. Beta Mololo. Comme ça. Lulu,
Nasomola yote. Devant, 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 devant,
la Yesu mololo mololo mololo. Ganga bonane. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Celui qui est dans la joie peut acclamer les rois des rois. Acclamez les rois des rois. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les derniers cultes. Tous allés dans le samba culte yasuka. De l'année 2023. Yamboula 2023. Beaucoup de gens m'ont appelé papa les kits. On a veillé ou bien on a kits. Comme s'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien. Je les avais dit, et depuis la semaine passée, on communiquait, on n'aura pas veillé. Nalobaki peto bandaki kolobela na kati ya poso ete tokozala na veillé de prière na butute. Vu les pays. Kotala ndenge mboke zo tambola. On attend les résultats. Tozozela maponami ba ben. Des élections qui viennent de se passer. Ya maponami oyo ti koleka. Nous sommes dit yoma pa. Biso torobi ete. Veillé. On va prier un dimanche matin. Mais jusque là, il y a beaucoup de gens qui attendent les prières. Beaucoup de gens attendent la nuit. Confusion si confusion. Confusion mbuto mbuto. Je vous avais dit, on n'aura pas veillé. Comment les gens veulent compris la nuit, tandis que Dieu ne nous a pas dit de prier la nuit. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? On peut acclamer les rois. Que cela ne tienne. Nous allons parler de la part de Dieu. Parce que la Bible dit, si deux ou trois personnes sont réunies, je suis au milieu d'eux. Nous sommes plus de deux. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? On peut pousser les cris de joie. On peut pousser les cris de joie. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre kit de célébration. C'est notre kit par excellence. C'est un culte qu'on doit tout oublier. Oublier les problèmes de loyer, de santé. Et se présenter devant les rois des rois. Les maîtres des temps et des circonstances. Moi, je suis dans la joie ce matin. Parce que depuis le début de cette année, on était peut-être nombreux dans notre quartier, dans nos familles, dans nos boulots là où on travaille. Beaucoup de gens ne sont plus avec nous. Nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre 2023. Moi, chez moi, c'est un dimanche des actions de grâce. Je dois rendre des actions de grâce. Parce que c'est un Dieu merveilleux. Je vis avec mes deux yeux les gens mourir. Je vis avec mes deux yeux les gens pleurer. Je vous avais parlé la fois passée, j'étais dans un hôpital en place. J'ai vu comment les gens pleuraient. Les gens n'arrivaient même pas à s'en sortir. Les gens. Et ma grande sœur, jusque-là, elle est toujours là. Elle m'appelle à tout moment. Des fois je manque le mot, des fois je manque le tambour. Parce que dès que je mets mes plantes là, mes pépiers là-bas, ça donne l'envie de plaire. Parce que rien ne va. Mais moi je suis en bonne santé. Toi tu es en bonne santé. Est-ce que nous pouvons acclamer les rois? Est-ce que nous pouvons acclamer les rois?
une minute pour le souffle de vie. Beta maboko atana minute moko ya souffle de vie. Bon apema otozui a osele. Que tes acclamations soient l'offrande de ce matin. Maboko na yo eyo kana maboko. Que tes cris de joie soient l'offrande de ce matin. Bulolo na yo ezala libonza na tongwa lele panaza. Je dis que tout soit l'offrande de ce matin. Na lobi maboko nyoso ya yo ezala libonza. Acclame. Beta maboko. Beta betela ya maboko. Beta maboko azanzamba bongina ya beta maboko. Beta maboko. Même s'il faut se mettre debout, mets-toi debout. Ce qui peut qu'on telema, telema. Ah, mets-toi debout. Mets-toi debout. Telema likolo. Betela mokonza bakonzi maboko. Acclame le roi des rois. Betela mokonza bakonzi maboko. Poussez le cri de joie. Beta mulolo pona lokumu na zamba. Poussez le cri de joie. Beta mulolo pona lokumu na zamba. Poussez le cri de joie. Mulolo pona lokumu na wezape. Yesu. Alléluia. Amen. Que rien te prive la joie. Eloko moko te longola yesengo. Je dis que rien te prive la joie. Nalobi eloko moko te longola yesengo. Cette fête d'année. Suka ya mobu oyo. Que tu trouves à manger ou pas. Oswa ya kolia tote. Sois dans la joie. Zala nesengo. Que tu aies des habits ou pas. Oswa bilamba tote. Les plantes, les mèches ou pas. Kabelo to mèche pour osvite. Sois dans la joie. Zala nesengo. Que personne. Moto mon côté. Et que rien te prive la joie. Et loko mon côté el boto la to elungolo esengo. J'aimerais encore une fois. Na lingeli susu. Comprenne puisque cette fois-là 2 minutes. To soso la ta minute mi balé kaka. Des acclamations. Ma boko. Des cris de joie. Mon lolo ma kaka. Même s'il faut sauter, tu sautes. Soko ko pumbwa pumbwa. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? On peut acclamer les rois des rois. 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 On peut acclamer les rois des Yesu, yenda bongina maboko pe mulolo na yona tongwa lelo. Abongina lokumu betela ye maboko. Maboko na yo eza na libonza na tongwa lele pana nzambe. Mulolo na yo eza na parfait de bonne odeur. E pana nzambo ya pesi biso pema. E pana nzambo ya longoli liwa. Yesu. Yesu asali nzambe. Yesu azali zambe na tongo to na pokwa masi azali zambe Yesu azali zambe masi azali zambe masi azali zambe akomisinga mokolo alelo masi azali zambe Masi azali zambe 2024 double double 2024 double double 2024 double double 2024 double double ma pamboli a double double ma pamboli a double double esengo nanga ya double double esengo nanga ya double beta mololo ba cri de joie Yesu alléluia amen. Écoutez, Yoka, Paul était dans la prison. Paul Ouazara qui kuna na prison. À Rome. Kuna na Rome. Il était captif. Bakanga ki ye. Paul pouvait rien faire. Akoka ki ko sala te lokote. C'est là où Dieu commence à inspirer Paul. Et si kawana nzamba bandi ko inspirer Paul. Dieu commence à parler à Paul. Nzamba bandi ko ebisa Paul. Nous connaissons tous Paul, j'espère. To ebi lisolo ya Paul obiso ba somalom. Paul est parmi l'un des apôtres majeurs. Paulo azali moko katina bantoma na kolo Yesu. Je dis les apôtres majeurs. Na lobi bantoma o ya makasi ya di. Vu les volumes. Kotali sa mama nene. Des livres que Paul a écrit. Ya mokanda o Paul a koma. Paul était en prison. Paulo azala ki kuna na prison.
Dieu commence à lui parler. Des fois, toi aussi, Dieu te parle. Mais tu es dans des états. Mais tu n'arrives pas à comprendre que c'est Dieu qui te parle. Tu commences à te poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est Dieu ou pas? La voix là que j'écoute, la voix que j'entends, c'est la voix de Dieu ou bien la voix des hommes? Mais ce matin, sois attentif. Parce que Dieu veut te parler. Je dis ce matin, sois attentif, parce que Dieu veut te parler. Nous sommes dans notre dernier dimanche. C'est en réalité, c'est un dimanche que tout le monde doit être là. Parce que Dieu nous a protégés durant toute l'année. Il y a eu des problèmes, beaucoup de soucis, des maladies. Mais on arrive à la fin. Beaucoup de gens s'éclipsent. Ils disent non. Moi je préfère aller au marché, aller chercher les habits, passer les mains. Demain ça sera les premiers. Je dois m'habiller. Je dois aller chercher l'enfant de Thompson. Parce que je dois manger. Je dois chercher l'enfant de poulet. Parce que je dois manger. Non. D'abord, il faut rendre les actions de grâce à celui qui t'a protégé. À celui qui t'a donné la vie. À celui qui t'a donné l'esprit que tu as. Oh les chrétiens de ce monde. Oh bah Christ soit moi qui où sommes-nous? Qu'est-ce que nous pensons? Oh tozo banzanini bah Christ soit lelo. Ne fût-ce que dire merci à celui qui t'a protégé. Atakolobama tondo na oya batelio. Ne fût-ce que dire merci à celui qui t'a gardé. Atakolobama tondo na oya bombio. Ne fût-ce que dire merci à celui qui t'a donné la santé que tu as. Atakolobama tondo na oya pension zoto kolongono. C'est tout un problème, c'est toute une affaire. C'est tout un dilemme. Mais nous on se dit, Dieu reste Dieu. Zambe atikali Zambe. Je dis Dieu est Dieu, il reste Dieu. Nalobi Zambe azan Zambe atikali Zambe. Acclamons le roi des rois. Nous sommes dans le livre de Colossiens. Tozana mokanda ya Colossae. Chapitre 3. Et verset 17. Verset Nango 17. Qui est capable de nous lire ce verset? Colossiens chapitre 3, verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. Jésus. Yesu. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. En rendant des actions de grâce à Dieu le Père. Eh bon père ça y est, l'immémia nanzambe papa mokeli. Amen. Est-ce que vous pouvez recommencer pour la meilleure compréhension? Amen. Colossiens chapitre 3 verset 17, nous lisons. On peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Tout est malicolo potomi malilo banaya winzambi. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On peut acclamer pour les voix des voix. Acclamons. Écoutez, Yoka. Paul dit ceci. Paul a l'obi boy. Quoi que vous fassiez, nyosobino boko sala. Qu'on crie bonne année ou pas. Baloba bonne année toté. Qu'on mange la chèvre ou pas. Tolian taba toto liate. Qu'on mange le poulet ou pas. Tolia soso toté. Qu'on s'habille ou pas. Tolata toté. Qu'on est en bonne santé ou pas. Tozana nzoto kolongono toté. Ici Paul dit il était en prison. Awa Paul a solo bakati na boloko. De deux à Rome. Kuna na Roma. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Paul dit, Paul a l'obé. Quoi que vous fassiez, akanya sobino boko sala. Reliez-moi, vous pouvez relire les versets là. Je disais, nous sommes dans le livre de Colossiens, chapitre 3. Dans le bâti, tous allés dans mon candidat Colossiens, chapitre 3, verset 17.
Total. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quoi que vous fassiez, et quoi en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Balance bien, balance bien. Pépa. Nous sommes un dimanche qu'on doit rendre les actions de grâce. Nous sommes un dimanche qu'on doit louer, adorer. Regardez les rétroviseurs. Tu as traversé toute une année, c'était pas facile pour toi. Tu as tombé malade plusieurs fois. Mais Dieu t'a guéri. Cette maladie t'a pas amené à la mort. Combien de fois tu as pleuré? Parce que tu manquais quelque chose. Mais Dieu t'a visité. Combien de fois tu as été humilié? Mais Dieu t'a protégé. Combien de fois tu as manqué beaucoup de choses? Mais Dieu t'a gardé. Combien de fois tu as été calomnié? Mais Dieu t'a gardé. Combien de fois tu as pleuré au courant de l'année? Mais Dieu t'a protégé. Aujourd'hui, il est dernier dimanche. Tu dois rendre les actions de grâce à celui qui t'a protégé. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. C'est un dimanche des actions de grâce. La Bible dit quoi que vous fassiez, faites-les en reconnaissance de celui qui t'a donné la vie. Admirable. Conseiller. Que tu manges ou pas, la Bible dit quoi que tu donnes en général, même si tu veux manger, tu manges, mais tu dois toujours réfléchir que celui qui m'a donné cette nourriture, moi je mange le poulet, mais en lui le père, je dois rendre les actions de grâce. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Ici, Awa, Paul dit, Paul a lobby, aux fidèles des Colossiens. Il dit soyez fidèles. Mangez, bolia, dansez, bobina, habillez-vous. Bola, faites ce que vous voulez faire. Bosala, nyoso, mais écoutez, même en Dieu seul, donnez, rendez seulement les actions de grâce. Opesa e matondo. Les actions de grâce. Matondo. Comme si ça devient quelque chose de très difficile. Et comme le col est loco, il y a passé. Un examen de la mathématique. Examen à mathématiques au Tosalaka. Qu'on donne aux fidèles. Oh, bah, pesa kana. De rendre les actions de grâce à Dieu. Il y a qu'on pesa, bato, kozongi, sa maton, lui, pas ensemble. Dieu n'a même pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de tes habits. Il n'a pas besoin de tes diplômes. Lui, son souci majeur, que une personne le dise, merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la bonne vie. Merci pour l'année. Merci pour la moula. Merci pour la sécurité. Merci pour yondo batela. Merci pour la protection. Merci pour yondo zala ki mo bati. C'est ce que Dieu attend à toi. Mais wana zamba zo zele pa na yo. Dieu attend à toi. Zamba zo zela na yo. Que tu lui dises merci Jésus. Olo bela ye matondo Yesu. Parce que moi je vis les accidentés sur la moto. Moni d'accident ba to bazo kwa na tukutuku. Les gens mourir sur la moto. Ba to bazo kufa likolo ya moto. Les gens tamponner sur la moto. Ba to ba tuti bango na moto. Moi Dieu m'a laissé en vie. Kasinga zambe. C'est ma regarder ce que j'ai. Je dis qu'est-ce que moi je peux donner à Dieu. Je me suis dit moi comme ça. Aujourd'hui le dimanche le lobo kololo mingo ya kozongisa matonde pa ensemble.
Et s'il faut donner, qu'est-ce que je peux donner? Soit qu'il coupe ça, n'a pas sans zambo nini. Quand j'étais gosse, tango na zala kielenge, je me disais, na banda ki koloba, je serai un grand demain. Na kozala munene lobi. Je vais tout faire pour que j'aie l'argent. Je vais tout faire pour que j'aie des maisons, des voitures, une femme, des enfants. Et Dieu, tu m'as donné. Qu'est-ce que moi je peux te donner? Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Je dis les merci ça suffit. Na lobi, ma tombe est coquille caca. Les merci, ça suffit. Aujourd'hui même, avant de venir à l'église, je me disais, mais aujourd'hui, c'est un dimanche des actions de grâce. Je dois aller louer Dieu. J'ai fouillé ma garde-robe. Toutes les costumes j'ai déjà porté. Nathalie bilamba ba veste nyoso ya ba nkoma nyoso esi na la. Je ne savais même pas que j'ai une nouvelle costume. Na yeba kiteke na za ki pena kazaka ya sika. Je fouillais. Nathalie boy na panzi panzi. J'ai dit ça. Na lebi oyo. Je l'ai acheté quel jour? Na somba ngo mo koloni. Je me retrouve plié. Na so ko bele su su te. Je prie. Na zui ya. J'ai dit mais gloire au Seigneur. Na lebi oh ma tondo na nzambe. Je ne savais pas. Mais bah qui le soutient? C'est une surprise. Et ça l'est comme ici. Je ne savais même pas. Mais bah qui le soutient? Je n'avais pas en tête. Na bandai pe kuban zango le soutient. Dieu nous surprit, nous surprit, nous surprit à tout moment. Zambe azo kamu sabiso, azo kamu sabiso na tango nyoso. Je prie, j'ai porté. Na zui ango pe na latia. Je ne savais même pas. Mais bah qui zango le soutient? Regardez, vous vous blaguez avec Dieu. Talabino bozo sakana zambe. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la façon dont Dieu fonctionne. Moi, Dieu s'est manifesté en plusieurs, en plusieurs, en plusieurs. Tous les jours des surprises et des surprises. Je dis ma vie, c'est Dieu. Sans Dieu, je suis nul. Est-ce que toi aussi ce matin tu peux dire moi sans Dieu je suis nul? Est-ce que yo pena tonga le kukuloba kozanga nzambe na zapamba? Est-ce que tu peux réfléchir? Est-ce que koki kubaza? Qui ce matin sans Dieu je suis nul? Koloba na tonga le kozanga nzambe na zapamba? Est-ce que tu as donné à Dieu pour que tu sois là ce matin? Nini yo pesi nzambe poza la awa na tonga? Qu'est-ce que tu as payé à Dieu? Nini oh yo futi na nzambe? Pour que toi et ta famille vous arrivez le 31 décembre. Tu sais combien de personnes sont mortes? Oye viva tu boni oyo bakufi. La semaine passée, on me parlait, il y a eu un grand accident du côté aéroport. La femme là qui m'a appelé, elle m'a dit, papa Kams, j'ai roulé, j'arrive à l'aéroport, j'ai eu un grand accident. Les gens qui venaient, je ne sais pas moi, du côté du village là qui venait avec les marchandises. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Il y a eu des morts et des morts. Toi Dieu t'a protégé. Toi Dieu t'a protégé. Ne comment pas dire merci à Dieu. Même les acclamations. Même les acclamations. Même la crier joie. Sois reconnaissant vers ce Dieu là qui t'a protégé. Zala mota reconnaissant libo son ensemble yo. Libo son ensemble yo zala reconnaissant. C'est cette femme même qui m'a appelé ce matin avant de vous venir. Papa, comme vous êtes où? Papa, je dis, je me prépare pour aller à l'église. Elle me dit, envoie-moi une personne. Papa est venu avec une chèvre. Papa, on a eu un tabac. Mon mari est venu avec une chèvre. Envoyez-moi une personne, je vous donne ça. Et c'est qui peut acclamer le roi des rois? Tu peux acclamer le roi? Faut avec ce Dieu. Ça c'est Dieu de multiportes. Vous avez le Dieu de multisystèmes. Quand on ferme à droite, il ouvre à gauche.
Ferme à gauche, ferme à droite. J'ai dit, maman, je pars à l'église. Est-ce que je peux vous passer un numéro? Elle me dit, oui, papa. J'ai passé un numéro. Papa, je l'appelle. Papa, nazo bengaye. Vous blaguez avec ce Dieu. Nous avons un grand Dieu. Je ne savais pas que j'aurais la chèvre. Moi j'avais déjà préparé ma chèvre déjà avant. Depuis le dimanche passé. La chèvre est à la maison. Mais aujourd'hui on m'ajoute. Le banzambe a double. Il y a des choses que toi tu ne peux plus plaire. Ne passe plus ton temps. Je dis bien. Pour commencer à demander des petites choses que Dieu t'a déjà donné. Tu sais que tel que tu es là, il y a déjà des choses que Dieu a prévues pour toi. C'est toi qui ne comprends pas que cette chose ici, Dieu l'a prévue pour moi. Tu passes le temps inutilement à prier pour des choses que tu ne peux pas prier. Non, c'est éternel. 2024, on va prier pour des grandes choses. J'ai dit, on va prier pour des grandes choses. Pour les petites choses, non. Chez nous, à 7 heures, les petites choses sont de par-dessus. Oh Seigneur Jésus. Ce matin, je vous amène dans une école de foi. Pour vous dire que de petites choses sont de par-dessus. Il ne faut plus pleurer pour ça. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle ce matin des déclarations. Nous sommes venus déclarer. Nous sommes venus prendre 2024 en possession. C'est-à-dire, nous sommes en 2024. Amen. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Paul dit, Paul a lobby. Quoi que vous fassiez, nya sobino boko sala. C'est-à-dire, et le biété. Attends qu'on relie ka soso. Ko bossa na te ko pesa maton de panan. Na pana ensemble. Attends qu'on relie ngombe. Ko bossa na te ko pesa maton de panan. Et pana ensemble. Tala, bana mikolo bazolia ba bona nete. Hein? Amen. Ya ngomo ne baloli bango mutu. Bah écoute l'église, na keluke lamba na ola talobi. Amen. Na keluka bona la talobi. Amen. Biso tolia ba bona nena ba ngomba batwa, lo bangomba batwa. Ngomba batwa o ezara na mo kwa. Lo bangomba batwa. Ngomba batwa na mo mukwa. C'est-à-dire ngomba batwa kwa nezana besoin onga te. Bocha onga bocha te so mera bando tokisa kuna koso kusani. Solo panzani. Et c'est pour ça qu'on a bien. Amen. Mais ngomba lelo. Un dimanche, nous sommes sortis ici. Domingo Moko Tobi Makiawa. J'étais avec Papa Anderson. Nazaraki Namosali Anderson. On arrive ici Tokomi au marché de Ngaba. Na wenze na biso ya Ngaba oyo. J'ai vu des gens qui vendaient la viande fraîche. Na mwe batwazo eto kote ka ngombe o tobi nga ka ngombe ya fraîche. Ngana ninga ka ngombe o mabengi ngombe babomi ya koboma. J'aime la viande. Na ninga ka ngombe o babomi na koboma. Ngombe ba ntaba ba nyoso wana o bazoboma.
J'ai dit à papa Anderson, ils ne seront pas jetés. Il ne me dit pas de problème. Je donne l'argent. Papa Anderson achète. Papa Anderson. On arrive à la maison. On a préparé. Rien que l'odeur. La Bible dit, ah, où est-ce que tu as? Emmanuel, Dieu parmi nous. Celui qui est né. Il s'appelle Admirable. Conseiller. Prince de paix, Tombola Maboko Likolo, un bon conseiller, Tane ce matin. Banda Kope Sanzambe, merci pour le message à ton Walelo, Nakomoda Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, merci pour le message de ce matin. Jésus, tu nous as parlé. Père, Emmanuel est né, un fils nous est né. Père, merci pour la paix. Père, que cette naissance nous apporte la paix, la joie, l'amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Tobondel Petolobi, amen. Amen. Et c'est moi, Tomoko Kobeta Mololo, Bakri de Jésus. Est-ce que mon Tomoko Kobeta Maboko? Est-ce que mon tomo ko betela Yesu maboko makasi?